Pascal, on est en Belgique. Oui. T'as quand même fait 1h45 de route. Oui. Ça prouve toujours, j'aime toujours bien de le dire, parce que je trouve que quand les gens se déplacent, ça détermine, ça démontre en tout cas leur motivation à apprendre. Parlant d'apprendre, qu'est-ce que tu as retiré de la formation Prospecter Vendée Coacher Premium ? Mais qu'il n'y a pas que le coaching, il n'y a pas que le personal trainer, c'est une partie. Et que dans la deuxième partie, il y a savoir se vendre, il y a le marketing, et c'est tout un ensemble en fait. Il n'y a pas que la partie que l'on voit. Quoi. Aujourd'hui, après ces deux jours, est-ce que tu as des outils pour pouvoir augmenter la valeur perçue ? Alors, il faut que je revoie un petit peu dans le syllabus, hein, et retravailler pour remettre tout, je dirais, dans l'ordre des choses. Comme je suis quelqu'un très carré, il faut que je remette chaque chose à sa place. Tu as l'impression que le contenu était débordant ? Pas débordant, enrichissant, mais j'ai voulu vivre l'instant présent au maximum et pas me focaliser sur les points. Et alors je me dis, je vais maintenant pouvoir retravailler. Parce que pour moi, une formation, c'est d'abord un apprentissage, mais derrière, il y a encore... La mise en action. Voilà, c'est ça. Bonne méthodologie. Mmh. Bon succès, Pascal. Merci.